Attends. Bonjour! Bon, bah du coup, je relève le défi. Ce que Nadia et Joël m'ont dit, au fait, du coup. Donc, je vais faire un gâteau pomme aux bébites de chocolat. Enfin, on va faire avec Camille, évidemment. Donc, tu dis ce qu'on met dedans, toi? Là, c'est quoi ça? C'est de la farine, il en faut combien de farine? Il faut 125 grammes de farine, 3 pommes, 3 œufs, un paquet de sucre Mais vanillé, un sachet, ouais, bah, un paquet de sachet pareil. Et puis voilà. Du sucre, de l'huile, et puis voilà. Et tu mets les œufs, toi. Bah, mets les mais œufs. tu l'expliques. Non, je sais Faut comment. casser. Je sais Tu comment peux. c'est. Non, tu sais pas. Faut casser tes œufs dedans. Là, Un tu prends par ton un. Mais œuf, je tu le sais. casses comme ça. Un par un. Qu'est-ce que tu vas faire là? Non, touche pas l'œuf là. Faut l'ouvrir Non, ici. tu l'ouvres dans le bol pour regarder s'il n'y a pas de coquille. Bon, moi, par moi, je la reverrai. Tu le mets sur la table, c'est pas grave, maman la lavera. Eh ben, tu le remets Tu dans le le. prends, tu le mets dedans. Tu remets dedans. Mets dedans. Allez, tu fais l'autre. Ben, plus fort, hein. Faut Attends, taper plus papa, sec, hein. il va t'aider. Non, mais en ouvrant, il y a des fois que tu fais tomber des coquilles sans savoir. C'est pour ça qu'on met dans un bol. Mais rien, allez, mets dedans, ça y est. Et le dernier chez moi. Oh. Regarde s'il date des coquilles. Non. Et je mets dedans. Non, après c'est Non, juste le sucre. on met le sucre. Oui, mais regarde dans là, là, en face, c'est pas moi ça. Attends, avant de mettre de l'huile, il faut mélanger un petit peu. Non, c'est pas moi qui vais brasser. Attends. Mets tout le. Mets de l'huile dedans. Et le sachet aussi. Pour que je puisse prendre des photos. Parce que tu me l'as remis. Attends, bah tu fais. Non, Le c'est sucre vanillé. de la levure. Mais qu'est-ce que ça, on prend une photo ou pas? Attends, Bon, en attends. fait, en même temps, on fait pour l'école. On Voilà. fait une recette pour l'école. Tu Non, peux faut le voir. faire. C'est papa qui mélange pour l'instant. Ah oui, Non, pas de lait. La recette, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Ah, pas tout Pas seul. grave. Plus énergique, hein, pour pas avoir de grumeaux. Ah, pour rigoler, vous l'avoir, hein. C'est chaud. Il faut que je rachète deux coups. Les casser. C'est pas nous qui l'a cassé. C'est bon. Maintenant, faut mettre quoi? Maintenant, faut mettre quoi, Amélia, d'après toi? Les pommes. Oui? C'est des pommes. Non. Si. Je cherche un ciseau. Ah, c'est pas simple, hein.
C'est pas simple du tout, hein, quand on a une fille qui veut tout faire à la fois. Hein. Tu vois, là, fais voir. Je sais pas faire ça, là. Voilà, comme voilà. Je fais ma colle pour monter les parpaings. On fait un garage pour le baroudeur. On a oublié de vous dire qu'il faut mettre le four à préchauffer à 160 degrés. Mais si ça va bien, ça se voit que tu fais pas tout ton gâteau, hein? Ça se voit que tu fais pas de gâteau, hein? Ouais, je suis pas le seul hein, dans le groupe à pas en faire. Hein. Où ça? C'est pas assez grand ton monde là. Mais si, c'est bon, après ça va gonfler. Allez, on va mettre ça au fourneau maintenant. À 45 degrés. Non. 4 minutes. Pendant 45 minutes. Bonjour les abonnés. Alors excusez-moi, hein, la caméra est pas très ça. Bon, je reviens vers vous quand même depuis ce temps. Je suis pas venu vers vous. Du coup, bah, j'ai fait la modif là, j'ai fait des rideaux là. Là-bas avec. Avec une tringle dessous là, mis comme ça. De chaque côté, là, un crochet pour la renforcer dans le milieu. Là, c'est pareil. J'ai fait ça. Bon là, ben voilà, ce que ça donne en fait, l'autre côté c'est pas mis, mais là, ça fait ça. En fait, tirer comme ça, c'est des rideaux opaques, où la clarté passe pas. Et là, j'ai fait le même principe avec la tringle. Pareil. Et il y a le crochet là. Et la tringle est juste derrière. Là, après, j'ai fait ça. Après, j'ai mis un Webasto. Un chauffage chinois quoi qui fait de l'air pulsé et chaud en fait. J'ai installé là. Ici. Après j'ai fait passer le fil là-bas pour l'alimenter. Là j'ai remonté une goulotte pour faire la commande. Parce que la commande elle est là. Je l'ai mise là la commande. Voilà la commande. Ça j'ai installé ça aussi pour avoir la la température extérieure et intérieure. Après, j'ai fait les ports USB. Là, c'est une prise à cigare. J'ai mis le détoxique de carbone. J'ai fait ça. Après, là, j'ai rajouté un bouton. Ici, parce que derrière. Bon, j'ai pas démonté la grille. Mais là, je sais pas si on va aller voir à l'intérieur. J'ai installé deux ventilos d'ordinateur pour expulser l'air chaud, en fait. Donc, voilà. Après, j'ai fait ça.
Là, ben, le store est tendu parce que là, faut que je lave. En fait, il est sale, là, au Karcher, faut que je lave. Là, j'ai changé le système d'ampoule dedans. Là, parce que ça, l'ampoule qui était, elle ne marchait plus. Donc, j'ai dépouillé un phare. Puis, j'ai collé l'optique de phare dedans. Puis, ça fonctionne. Regardez, je vais vous l'allumer. Enfin, je vous le montre. Je suis pas assez haut. Vous voyez, fonctionne et s'éteint et ça marche. Et voilà. Après, j'ai fait ça. J'ai installé les loupiottes devant là, des jaunes à ce coup. J'ai enlevé les blanches qu'il y avait, j'ai mis des jaunes, des anti-brouillards jaunes. Après, je sais pas si la porte est ouverte là. Ah non, attendez, je vais chercher mes clés. Et vous pouvez voir un truc aussi. En fait, devant, j'ai mis les ventilos moteurs en direct. J'ai mis la sonde en défaut, quoi, en fait. Et j'ai installé le bouton là. J'ai installé mon bouton ici. Excusez-moi les bruits, c'est un camion qui passe. J'ai installé le bouton là, le bouton. Et quand je mets le contact, en fait, vous allez entendre les ventilos se mettre en route. Voilà. Je fais ça, après j'ai installé mon GPS. Bon, la caméra de recul, vous l'avez vu déjà. Après là-bas où il y a le branchement d'une cigare, c'est pareil, un port USB, pareil que derrière. Puis voilà quoi, après du petit truc quoi, pas très vite mais sûrement. Après là, je me suis fait une grande rallonge de 30 mètres d'un coup avec un ancien enrouleur que je ne savais plus, donc j'ai pris la prise dessus. Puis ben, voilà, puis voilà. Allez, bisous, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Si vous laissez un commentaire, ben vous laissez un commentaire, et puis ben voilà, puis ben à la prochaine. Bisous, bisous. Hop, c'est bon. Regardez, on va déguster le gâteau qu'on a fait tantôt avec Amélia. J'espère qu'il va être bon. On va bien se régaler. Et vous êtes là, derrière votre écran. Hein, regardez. Oh, que c'est dommage. Ah, regardez ce que ça fait, la texture à l'intérieur. Voilà. Des pommes et du chocolat, en fait, tout simplement. Ben, mange ça, et puis c'est tout. Ah, encore tiède un peu, hein, mais bon. Alors, Amélia, goûte. J'ai pas de cuillère. Ah, bah, j'ai pas de cuillère. Ben non. C'est très, très bon. Voilà. Bon, bah, alors, à plus tard, les amis. Allez, je vous mets les filles sur le groupe.